C'est l'heure de préparer les planeurs pour le décollage. Des collégiens encadrés par deux professeurs suivent tous l'option sciences aéronautiques proposée depuis 8 ans par le collège de Rohrbach-Lébitsch. Un vol en planeur coûte 90 euros, mais ça n'a pas empêché les élèves de participer à cette activité grâce à la participation du foyer socio-éducatif du collège et de la fédération de vol à voile qui ont respectivement pris en charge 25 et 40 euros. C'est une journée qui a beaucoup intéressé les jeunes. Le monsieur était très gentil, il m'a expliqué beaucoup de choses, les vents ascendants, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est intéressant à savoir et à apprendre. Ah, c'était génial. On est passé par quelques villages allemands. Puis ensuite, on est passé aussi par la piscine des Sarreguemines. Et ensuite, on a fait quelques tours pour revenir faire l'atterrissage ici. L'objectif de cette option est de préparer ces 14 élèves à l'examen du brevet d'initiation aéronautique, une sorte de code de la route pour pouvoir voler en avion. Il y a différents cours, comme par exemple la découverte des aéronefs, la météo, la sécurité des vols, de l'anglais aéronautique. Les jeunes suivent également des cours plus techniques. À partir d'un plan, d'un modèle réduit, on fabrique entièrement tout l'avion en balsa. On découpe les pièces, on les colle, on les assemble, on met dessus l'entoilage. Le diplôme du BIA leur permettra d'obtenir des bourses pour des formations de vol et d'avoir une autorisation de vol dans un secteur restreint sans superviseur.